Welkom, beste leden. Bienvenue, chers membres. Bienvenue à la dernière édition des Home of Governance Talks avant l'été. Nous en avons eu pas moins de 18 depuis septembre dernier, avec à chaque fois des cas et des orateurs passionnants qui nous ont partagé leur vision et leur vécu avec la gouvernance. Mais pour cette édition de clôture, nous avons prévu quelque chose de spécial, de curieux, d'innovateur. C'est avec plaisir que je vous présente Marc-Antoine Demees, qui est le propriétaire de la brasserie de Brunehaut, une brasserie qui produit des bières de haut gamme, bio et sans gluten, et qui peut s'appeler la première brasserie B Corp en Europe. Les entreprises certifiées B Corp s'engagent à équilibrer, d'une part, leur raison d'être et, d'autre part, leur profit. Ceci sur une base d'une philosophie d'un capitalisme de parties prenantes, donc stakeholder capitalism plutôt que shareholder capitalism. Ils s'engagent légalement à considérer l'impact de leurs décisions sur leurs collaborateurs, leurs clients, la société et l'environnement. B Corp est ainsi une communauté globale de leaders qui veulent incarner le changement et mener leur société comme une force pour le bien. B Corp est une initiative américaine active dans 74 pays. Au niveau global, 3979 sociétés ont obtenu le certificat, pour une vingtaine en Belgique. Et il faut savoir que la certification B Corp traduit une réelle lame de fond. Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 150 000 sociétés à travers le monde qui prennent les critères de B Corp comme source d'inspiration et qui se préparent à la certification. Ce qui se passe est vraiment impressionnant. Et à cet égard, notre invité d'aujourd'hui est un pionnier B Corp, étant une des premières sociétés belges à avoir obtenu ce certificat. Il nous partagera en primeur sa motivation et son expérience avec le processus de certification. Mais avant cela, permettez-moi de vous donner d'abord quelques chiffres clés sur la brasserie du Brunehaut. Le chiffre d'affaires est de 1,5 million avant Covid, et connaît une croissance d'environ 10% par an. Le personnel compte 8 travailleurs, et bien qu'aux États-Unis, au Canada, au Mexique, Chili, Norvège, Finlande et même la Corée. Concernant notre invité Marc-Antoine, après ses deux licences à l'échec, il a travaillé comme manager de crise, et en 2007, il a racheté la brasserie du Brunehaut, qui, à cette époque, était au bord de la faillite. Depuis lors, Marc-Antoine est devenu un brasseur passionné et il siège également comme administrateur dans la Fédération des brasseurs de Belgique. Bonjour Marc-Antoine, soyez le bienvenu. Bonjour, bonjour. Pourrais-tu, en guise d'introduction, nous raconter un peu plus sur ton début de voyage avec la brasserie du Brunehaut, qui fut, j'imagine, loin d'être facile? Oui, c'est une chouette histoire, en fait. La brasserie Brunehaut, c'est une très vieille et très jeune entreprise, en fait, très vieille parce qu'elle a été fondée en 1890 et elle a été déménagée dans des nouveaux bâtiments en 1990 pour le centenaire de l'entreprise et malheureusement tombée en faillite en 2006. Et donc, j'ai eu la chance, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, de reprendre l'entreprise en début 2007. À l'époque, avec les frais structurels, il fallait tripler le chiffre d'affaires pour arriver au break-even, ce que nous avons mis plus ou moins 5 ans à réaliser. À l'époque, nous avons acheté la brasserie à 4 actionnaires. Suite à la crise de 2008, qui n'était pas prévue évidemment dans le business plan, on a dû recapitaliser l'entreprise et il y a deux actionnaires qui ont quitté le bateau à cette époque-là. Et donc, nous sommes restés, en fait, moi et ma compagne,
propriétaires à 50% chacun. Alors, donc les premières années ont été vraiment des années de lutte pour remettre l'entreprise à flot et arrêter de perdre de l'argent ou commencer à en gagner. Ça dépend si on regarde le verre de bière à moitié plein ou à moitié vide. Et puis, une fois que l'entreprise est arrivée à l'équilibre, en tant qu'entrepreneur et propriétaire de ma propre, ou en tout cas à l'époque 50%, parce que maintenant je suis propriétaire à 100%, je me suis dit qu'une entreprise avait plus de responsabilités que simplement faire de la bière et de l'argent. Et donc, on a commencé à réfléchir, à dire, bon, ben, voilà, que fait-on ? Que fait-on pour prendre un petit peu plus de responsabilité sociale, quoi. Et alors, c'est là qu'on a commencé à transformer la brasserie en une brasserie bio. Et puis, je vous en parlerai un peu plus tard, prendre plus de responsabilité sociale dans le cadre et via les stakeholders qui sont autour de nous. Merci, oui. Et pour continuer sur cette ligne-là, comment est-ce que tu es rencontré en contact en fait avec la communauté B Corp, qui n'est quand même pas encore très connue, ou n'était en tout cas pas très connue en Belgique? D'où as-tu eu l'idée? Quelle était ta motivation? Tu viens de nous introduire cela, mais oui. On est curieux. Oui, oui. Donc, comme je l'expliquais juste avant, donc on a essayé de chercher des moyens pour donner du sens à notre business. Et donner du sens, ça veut dire qu'on doit rayonner autour de nous, bien sûr payer correctement nos collaborateurs, avoir des fournisseurs fidèles et qui produisent des matières premières de qualité, avoir des clients qui sont un peu sensibles aux valeurs que nous avons. Et donc, après avoir passé l'entièreté de la brasserie en mode bio, parce que c'est une conviction personnelle que le bio est meilleur pour la santé, meilleur pour la planète que le non-bio, nous nous sommes fait certifier une certification franco-belge qui s'appelle Nature et Progrès, pour lequel le bio est la condition sine qua non. Et puis après, il y a tout ce qui entoure. Donc, si par exemple, il existe du malt bio au Brésil ou du sucre bio au Brésil et du sucre bio en Belgique ou en France, c'est évidemment beaucoup mieux de se sourcer le plus localement possible. Et donc, ça rentre dans un espèce de bio un peu élargi, si vous voulez. C'est plus pour la philosophie que pour la certification. Donc, on est devenu Nature et Progrès, et ensuite on s'est fait certifier ce qu'on appelle en Belgique prix juste producteur, c'est-à-dire que on s'est engagé à acheter quasiment l'ensemble de nos matières premières à des agriculteurs belges bio, parce que c'est vrai que l'agriculture en Europe est dans une situation relativement catastrophique et que les fermiers ne peuvent plus aujourd'hui vivre décemment parce qu'ils sont en concurrence avec les marchés internationaux. Et donc, ouais, voilà, c'était un espèce de fair trade belge. Et puis, je fais partie personnellement d'un groupement de chefs d'entreprise qui s'appelle le groupement des chefs d'entreprise du Québec, qui est en fait un truc qui est né au Québec et qui a immigré ici en Belgique, en France et en Suisse, dans tous les pays francophones d'Europe, en fait. Et chaque année, on a un sommet à Montréal. Et je crois que c'était en 2017 ou en 2018. 2017. J'ai assisté à ce sommet à Montréal et on a beaucoup parlé de B Corp, qui est effectivement une certification nord-américaine et qui sont beaucoup plus habitués voilà, à la certification B Corp. Vous connaissez probablement un certain nombre de sociétés, dont une des plus connues est Patagonia, qui est un fabricant de vêtements, qui est vraiment l'exemple B Corp. Quand vous allez sur leur site internet, avant de comprendre qu'ils fabriquent et qu'ils vendent des vêtements, il faut quasiment arriver à la dernière page de leur site, tellement ils ont des projets
concernant la nature, l'eau, la planète dont ils parlent avant de parler de leurs produits. Mais ils sont hyper rentables. Ils vous disent dans leur message, achetez nos vêtements d'occasion, ne les achetez pas neufs, faites-les tourner, donnez-les. Enfin bon, et ça leur donne une telle image d'intégrité qu'ils sont hyper performants, quoi. Donc je vous invite à aller voir le website de Patagonia, ça vaut vraiment la peine. Et ayant entendu ça, je me suis dit, tiens, mais ce serait bien d'être le Patagonia de la bière, en fait. Et puis, suite à ça, j'ai eu la chance de participer à un autre sommet qui s'appelle Régénérative Alliance, qui a été organisé par le président de la foire de Libramont, où on a passé 3 jours dans les bois avec des grands, grands orateurs. C'était juste inspirant. Et on a reparlé de Bicorp pas mal pendant ce sommet au milieu des bois de Libramont. Et en partant de ce sommet, on était censé chacun prendre un engagement personnel et un engagement pour son entreprise avant le prochain sommet qui aurait dû avoir lieu un an plus tard, mais compte tenu du Covid, il n'a pas pu avoir lieu. Je pense que le prochain va avoir lieu en septembre de cette année-ci. Et donc, moi, j'ai bêtement dit, mon engagement, c'est d'essayer de me faire certifier Covid. Bicorp. Et voilà. Et donc, on a commencé à travailler. Et un an plus tard, on a reçu la certification en février de cette année-ci, qui est pour nous une vraie reconnaissance. Voilà. Merci Marc-Antoine. Oui, dans notre entretien préparatoire, tu me disais, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, hein, pour des intentions qu'on avait déjà ou une voix qu'on avait déjà authentiquement. Voilà. Mais on est bien sûr curieux, comment est-ce que vous vous êtes préparé et qui étaient peut-être vos exemples? Tu as déjà parlé de Patagonia. Et comment s'est déroulée la procédure in concreto? Comment est-ce qu'on doit imaginer un tel processus? Ok. Alors, comme on a eu l'occasion d'en parler ensemble, en fait, oui, c'est vrai que c'est un peu une concrétisation d'une manière, d'un type de management qu'on met en place depuis une dizaine d'années, en fait, quoi. Donc, je pense qu'une société qui a un management qui ne porte pas d'importance sur l'environnement, sur son personnel, sur ses fournisseurs, c'est impossible qu'il puisse devenir certifié B Corp en 6 mois de temps, quoi. C'est juste impossible. Parce que c'est vraiment un esprit d'entreprise et qui n'est pas seulement l'esprit du patron ou de l'actionnaire. Ça doit passer à travers les équipes qui travaillent. Le plus grand exemple que j'en ai et que je trouve fantastique, c'est que aujourd'hui, quand on prend une décision collégiale ou que j'ai des collaborateurs qui disent « Tiens, il faudrait faire ça ou faire ça », la première question qui se pose, c'est « Est-ce que c'est Bicorp ?» Et je trouve ça vraiment fantastique parce que ça change le système de pensée. Voilà, donc une fois qu'on est une société qui avons une espèce de réelle responsabilité sociale, on va sur le site de Bicorp. Il y a un énorme questionnaire où il faut remplir un tas de questions sur les 5 piliers qui sont la gouvernance, tous les stakeholders qui sont autour de la brasserie, c'est-à-dire socialement, l'environnement, les fournisseurs, les clients et les collaborateurs. Et donc, on remplit toutes ces questions et on arrive au final à avoir un score. Nous, on est arrivé à un score, je me souviens, quand on a fini de remplir le questionnaire tout seul à la maison, de 115, alors qu'il faut 80 pour être certifié B Corp. Donc, on se dit, 115, c'est top, quoi. Et puis, donc, on a demandé à B Corp Benelux d'introduire officiellement notre demande de certification.
Donc là, on a été en contact avec. Donc Bicorp Benelux est à Amsterdam. Et on a passé un premier stade avec eux, qui ont fait une espèce de présélection de savoir si on avait des chances de réussir ou pas de réussir, avant de passer aux États-Unis. Et donc, après les interlocuteurs qu'on avait à Amsterdam, on est passé avec une analyste qui s'appelle Sarah, en l'occurrence, et qui a été chercher en fait toutes les réponses qui étaient un peu pointues, difficiles, qui valaient beaucoup de points, et qui nous a dit maintenant, les amis, vous allez me prouver tout ce que vous avez dit. Et donc, on a dû prouver tant au niveau environnemental qu'au niveau des actions qu'on a sur la société autour de nous, que le bien-être du personnel, que nos rejets d'eau usée, que nos consommations d'eau, que un tas de trucs, mais ils savent où il faut aller chercher, quoi. Donc, c'est pas du tout arbitraire. Puis il y a des questions qui valent beaucoup plus de points que d'autres. Et donc, tout ça a pris pas mal de temps. Et puis, à un moment, j'ai même été obligé de mettre une pause, en fait, à notre processus de certification, parce que je me rendais compte qu'on n'était pas suffisamment prêt et que donc, il nous fallait un peu de temps pour nous préparer, pour avoir tous les documents qui vont du conseil d'administration à des relevés de compteurs de consommation d'eau par subunit dans la brasserie, quoi. Donc, on doit... En fait, tout ce qu'on dit, ça ne peut pas être des intentions. Enfin, bien sûr, il faut avoir l'intention avant, mais il faut prouver que ce qu'on dit est vrai. Et pour ça, je trouve que c'est absolument génial parce que c'est... Une boîte qui fait du greenwashing va... Pour moi, c'est impossible qu'elle soit certifiée B Corp, quoi. Il faut que... On prouve ce qu'on dit. Et alors, la deuxième chose qui est assez importante, c'est que par rapport, par exemple, à une certification ISO, quand on est certifié ISO, bah, pouf, on est ISO et puis c'est tout, quoi. C'est pour toujours. Tandis que B Corp, il vous force à l'amélioration. Donc, on doit donner des objectifs. On se fait recertifier tous les 3 ans. Et bien sûr, le but, c'est d'avoir plus de points que ce qu'on avait avant. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc, ça force à être encore meilleur. Donc, ce que j'aime, moi, dans l'espèce de leitmotiv de B Corp, c'est de dire ben, on ne doit pas être les meilleurs du monde, mais on doit être les meilleurs pour le monde. Et il faut qu'on prouve ça. Voilà. Oui. Et prouver ça, tu m'as expliqué, ça va parfois loin, hein, sourcer localement. Les fûts qui sont achetés en Espagne et produits en Chine. Oui, oui, donc ça demande un vrai travail. Oui, si on parle des fournisseurs, c'est vrai que B Corp pousse à acheter le plus possible localement autour de soi et que donc on doit faire un screening de tous nos fournisseurs et si possible pas juste au premier abord, mais quand sont des agents, savoir finalement où ils achètent, parce que parfois on achète à des sociétés belges, mais qui, par exemple, nos bouteilles, on les achète en Belgique, mais elles sont produites en Allemagne. Les fûts, ben, les plus gros producteurs de fûts en inox pour mettre la bière dans les cafés sont chinois, et ça nous a vraiment mené à une réflexion et de discussion avec nos fournisseurs en disant, on va acheter chez vous uniquement si vous parvenez à nous prouver que c'est produit en Europe. Voilà, oui, donc c'est. Et quand on parlait par exemple de la satisfaction du personnel, quand on avait commencé à discuter avec B Corp Benelux, est-ce que votre personnel est heureux et content de travailler à la brasserie de Beneau? Alors moi, un peu béné, je me dis, ben, oui, comme on n'a pas de rotation de personnel, ben, je suppose qu'ils sont contents de travailler chez nous, quoi. Et donc B Corp nous a dit, oui, mais maintenant il faut prouver ça. Très gentil de dire ça, mais il faut. Et donc on a dû faire des enquêtes de satisfaction anonymes du personnel et qui évidemment m'ont fait apprendre que de temps en temps ils sont pas aussi heureux que je ne le pensais. Donc c'est assez intéressant en fait parce qu'on apprend plein de choses.
qui permettent d'être meilleurs demain. Donc, c'est intéressant. OK, donc un processus dynamique. J'ai peut-être une première question déjà de Catherine Delange. Est-ce que la foison des labels bio et autres, pas toujours comparables, risque de perdre leur attrait en faveur de certifications comme B Corp qui permettent de créer une vraie, véritable communauté de peers? Ou est-ce que B Corp est davantage un outil qu'on utilise partout et en permanence et pas un aboutissement? C'est une excellente question. C'est vrai que la multiplication des labels, c'est un réel problème. Pour nous, c'est un réel problème. Alors, tout simplement, physiquement, aujourd'hui, on ne sait plus mettre sur nos étiquettes de bouteilles tous les labels qu'on a, et puis les gens ne connaissent pas. Donc, si je pouvais n'en mettre qu'un, franchement, je mettrais Bicor. Le seul problème, c'est que les gens ne connaissent pas encore Bicor. Donc, il y a un boulot à faire de la part de moi, étant certifié B Corp, et de la part de l'organisation pour faire connaître. C'est sûr que le fait que IBA soit passé à sonner la cloche de la bourse de Bruxelles. Il vient de passer cette semaine. Voilà, oui. Que Danone soit B Corp et que son patron soit fait virer quasiment à cause de ça. Ça fait du bien, mais je veux dire, il faudrait que ce soit enseigné à l'UNIF, il faudrait que les jeunes soient au courant de tout ça, il faudrait que ce soit une véritable certification de valeur des entreprises. Ce qui est, je pense, beaucoup plus le cas en Amérique du Nord, mais pas encore chez nous. Et donc, nous, on est très contents d'être un peu pionniers parce que c'est vrai qu'en général, on a 5 ans de retard sur les États-Unis. Et puis, ben voilà, moi, je suis très content que notre brasserie soit pionnière dans ce secteur-là. Merci. Avant de vous poser quelque chose ou de vous interroger un peu sur la gouvernance, je prends encore une question qui est, je ne sais pas lire le nom parce que c'est un acronyme, mais je la lis toujours. Comment vous assurez le suivi de la transformation des grains que vous achetez chez des producteurs et le processus en malterie? Oui. Alors ça fait partie de notre certification prix juste producteur. Donc nous savons à quel agriculteur nous achetons les grains, nous savons à quel prix il les vend au stockeur, nous savons à quel stockeur il les vend et nous savons chez quel malteur ce grain-là, grain d'orge, est malté. Donc il y a une véritable traçabilité du produit et du prix depuis l'agriculteur jusque chez nous. Merci. Oui, voilà. Et puis, Institut de gouvernance oblige. Hein? Constituez votre gouvernance et en quoi consistait le pilier de la gouvernance dans la certification B Corp? Et la même Catherine Delange nous demande quel a été l'impact de la philosophie B Corp sur la gouvernance, conseil d'avis avec parties prenantes, clients, fournisseurs, par exemple, comme le comité de mission en France, ou est-ce que ça allait moins loin? Alors, pour nous, ça a été relativement facile parce que la gouvernance chez nous, elle est assez simple en fait. Hein. Je suis seul propriétaire. J'ai juste décidé d'avoir un conseil d'administration avec 2 administrateurs indépendants qui sont plutôt des conseillers. Donc, je crois qu'il y avait un profil financier, un profil commercial. Oui, tout à fait. Il y a un de mes administrateurs qui a plus un profil financier et qui me dit d'ailleurs assez souvent, Marc-Antoine, tu es un rêveur, c'est très bien tous tes trucs de B Corp, mais quand tes prix de revient augmentent à cause de ça et que les marges diminuent, il faut quand même te poser des questions. Donc, de temps en temps, je suis remis à l'ordre par lui. Et mon autre administrateur est actionnaire dans certaines sociétés de moyenne distribution. Et donc, nous aide un peu plus sur la question marketing. Néanmoins, ce que B Corp demande, il demande une adhésion complète, signée de la part de tous les organes de décision en fait de l'entreprise,
sur la philosophie B Corp, c'est-à-dire d'être le meilleur pour le monde et pas le meilleur du monde, ce qui veut dire que la rentabilité n'est pas le premier objectif. Il faut savoir que B Corp ne certifie que des boîtes commerciales qui sont rentables. Donc, c'est une condition sine qua non. Donc, on veut prouver que les sociétés qui gagnent de l'argent peuvent faire du bien pour le monde, plutôt que le contraire, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau social, qu'au niveau quoi que ce soit. Et donc, le conseil d'administration, en l'occurrence chez nous, puisque c'est l'organe décisionnel, a dû prendre l'engagement de soutenir cette philosophie. Et en assemblée générale, ils ont accepté que, en conseil d'administration et assemblée générale, qu'on change les statuts de l'entreprise pour que le premier objet de l'entreprise soit de faire du bien pour le monde, avant de fabriquer de la bière ou de faire de l'immobilier. Voilà. Donc aujourd'hui, notre premier objet social, c'est, on a changé les statuts il y a 3 semaines, en profitant de l'occasion des changements sur le droit des sociétés, pour faire cette modification. Donc c'est quand même assez... Je ne sais pas quel impact juridique ça a vraiment aujourd'hui, parce que c'est tellement nouveau dans le droit des entreprises. Le notaire chez qui j'ai été en disant voilà, il faut changer les statuts et mettre ça dedans, il m'a pris pour un dingue, quoi. En gros, on a dit mais c'est quoi ça, ça ne s'est jamais vu. Enfin, soit. Donc, on l'a mis dans les statuts. Bon, je ne sais pas trop l'implication que ça peut avoir, mais en tout cas, dans l'intention, ça veut dire que l'entreprise s'engage à faire du bien pour le monde et que donc, indirectement, ne peut pas se faire racheter par des gens qui ne sont pas dans les mêmes valeurs, quelque part. Sinon, on est censé pouvoir perdre notre certification B Corp. Ouais. Voilà, donc c'est, B Corp demande, en fait, point de vue gouvernance, hein, je crois que tu m'as expliqué qu'il demande un engagement signé des administrateurs du conseil d'administration. Absolument. Mais qui ne regarde pas la gouvernance en soi, hein, qui laisse la liberté de l'organiser comme on veut. Oui, en fait, eux veulent la fin, pas les moyens. Mm-hmm. La fin, c'est que la boîte, elle fasse du bien pour le monde et que les administrateurs s'engagent à, mais ils ne vont pas dire, comme dans l'ISO, par exemple, vous devez faire ça, 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 ça. Chaque société, chaque entreprise a des caractéristiques complètement différentes. Ça va de la coopérative à, je sais pas, des sociétés de services, des sociétés de production qui ont un schéma complètement différent. Donc, ils veulent juste avoir la preuve que la fin est dans les statuts et dans les actions de l'entreprise, quoi, en fait. Mm-hmm. Oui, je me souviens aussi que tu m'avais raconté que le pilier sur la gouvernance est relativement facile par rapport aux autres piliers dans le processus de certification, mais qu'il est hyper crucial, hein, comme on a vu aussi avec Danone. Oui. Si les bonnes intentions du CEO ne sont pas partagées avec l'actionnaire ou avec le conseil, ça peut finir mal. Oui, c'est pour ça que je dis que pour nous, ça a été facile, puisque c'est moi qui décide et c'est moi qui suis l'actionnaire. Donc, si je décide de gagner un peu moins d'argent que mes collègues parce qu'on achète notre malt à des agriculteurs belges 30% plus cher que sur le marché international, ben, oui, j'ai un de mes administrateurs qui dit « Est-ce bien raisonnable ?» Mais ce n'est pas lui qui va pouvoir me forcer en tant qu'actionnaire de dire « Non, on n'est pas d'accord et on vous vire, en fait. » Ce qui s'est passé avec Danone, à partir du moment où la rentabilité était inférieure à leurs concurrents Unilever et Nestlé, que les fonds de pension ont dit « Ouais, mais attends, nous, on a mis notre argent là, c'est juste pour avoir du return, donc il faut que les performances soient les mêmes, donc, cher monsieur, dehors, quoi, voilà. Mm-hmm. » Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de mouvement du... J'aurais espéré qu'il y ait un mouvement du personnel, par exemple, dans le cas de Danone, parce que c'est quand même la seule multinationale qui s'était engagée quasiment dans toutes ses filiales
au monde. Donc, autant Danone Brésil que Danone Belgique a entamé ce circuit de certification B Corp. Et que je pense que l'exemple ne peut... Bon, nous, on est minuscule, quoi. Je veux dire, on a une boîte de 8 personnes. Alors, on est la première brasserie européenne, on fait un peu de tam-tam, mais enfin, soyons réalistes et modestes. Je veux dire, ça n'a pas le même impact que si Danone dit aujourd'hui, les gars, la rentabilité, c'est bien, mais il y a quelque chose de plus important que ça. Or, voilà. Et c'est... Donc, moi, je trouvais ça absolument génial qu'une boîte de la taille de Danone s'engage dans cette mouvance. Voilà. L'argent n'est pas la fin, mais plutôt un moyen. Absolument. Allez-y. On en avait parlé, je pense que c'est arrivé 100 000 fois, des millions de fois depuis la création du monde, les veaux d'or dans l'Évangile, je sais pas, peu importe, mais c'est vrai qu'on a oublié que l'argent, c'est un moyen d'échange et ce n'est pas un moyen, ça ne devrait pas être un moyen d'enrichissement personnel. Ça n'a pas de sens. C'est un truc pour échanger des marchandises, point. Payer des gens pour qu'ils puissent aller au magasin, s'acheter à manger, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a dénaturé la vraie valeur de l'argent, qui devrait être un moyen et pas une fin. Mm-hmm. C'est agréable d'entendre parler avec votre passion, hein. Donc, et légalement, même si c'est un risque, vous m'avez expliqué qu'il faut des actions concrètes. Pour changer quelque chose, il faut avancer, il ne faut pas attendre. Je suis contente que vos administrateurs vous ont rejoint là-dedans, hein, dans cette vision à long terme que vous estimez votre responsabilité. Vous avez dit aussi que vous espérez que les jeunes vont choisir pour des boîtes comme B Corp. Oui. Au futur, je pense que c'est en route et je pense par exemple que la crise du Covid a poussé un peu là-dessus, quoi. Quand je vois l'évolution, c'est notre marché, mais le marché bio pendant la crise du Covid, peut-être ça va faire machine arrière, hein, mais je veux dire qu'aujourd'hui le marché du bio a pas explosé, mais il a quand même sérieusement augmenté pendant la crise. Il y a de plus en plus de gens qui ont refait à manger chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas aller au resto, ils ne pouvaient pas aller chez McDo et chez Quick. Enfin bon. Et je pense que la génération Y sont hyper sensibles quand on voit l'évolution de la permaculture, quand on voit l'évolution... De ce que les jeunes font, ils ne veulent plus de bagnole, ils sont copropriétaires de choses, ou ils louent des choses, ou ils prêtent des choses. Nous rêvions d'être propriétaires. Donc, il y a vraiment, je pense, un mouvement de fond qui se passe, et j'ose espérer que ces jeunes-là décideront d'aller travailler dans des boîtes qui ont des valeurs qu'ils partagent. Et B Corp, pour ça, c'est effectivement un outil incroyable de dire, ben nous sommes certifiés B Corp. Ça veut dire quand même qu'on a un certain nombre de valeurs qui sont autres que d'extraire du pétrole ou de faire du pognon pour le pognon. Voilà. Je signale aussi que Christiane Malcor nous signale que The Shift est aussi actif, donne des séminaires d'explications. Elle a siégé au board et il y a un expert B Corp maintenant au board. Il y a une question de notre CEO Sandra Gobert. Oui. Je vais juste sauter sur l'occasion de Madame Malcor pour dire que effectivement nous sommes membres chez The Shift, que j'espère que ils vont pouvoir devenir le représentant B Corp en Belgique, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile avec nos amis néerlandais. Ne fût-ce qu'au niveau de la langue. Voilà. Moi, je suis trilingue, quadrilingue, donc je n'ai pas de problème ni en anglais ni en néerlandais. Mais à partir du moment où le processus B Corp doit être soutenu, accepté par tous les membres du personnel, chez moi, je n'ai personne qui parle néerlandais ni anglais. Voilà, on est à Tournai, on est juste à côté de la frontière française. Donc, ce serait top que
que de Shift puisse devenir un peu le relais Bicorp pour la Belgique, autant en néerlandais qu'en français. Voilà. J'ai une question de notre CEO Sandra Gobert. Est-ce que le prix et surtout l'aspect chronophage de cette certification sont-ils de réels freins pour les organisations? Pas du tout. Pas du tout. Bon, on l'a fait, on a, comme je disais, on est 8 personnes et on a. Moi, j'ai passé, quoi, je dirais, même pas un cinquième temps pendant quelques. Non, même pas en fait. Alors, ça doit être super chronophage si on n'est pas du tout préparé à ça. Si on doit tout mettre en place, c'est sûr que ça va prendre un temps fou. Par contre, si l'organisation fonctionne déjà comme ça et qu'il faut juste mettre en forme ce que nous avons fait pour pouvoir prouver que ce que nous disions était la vérité. Moi, j'ai juste ma responsable qualité qui a travaillé pendant, si je devais mettre bout à bout, 3 semaines temps plein, quoi. Donc, c'est pas énorme, mais comme je dis, en sachant que l'organisation fonctionnait déjà un peu comme ça, bon, on est déjà organisé plus ou moins en holacratie ou sociocratie, on avait déjà fait une sélection de nos fournisseurs. Et puis toutes les certifications en fait qu'on avait avant nous ont juste aidé à concrétiser cette certification B Corp en fait. Okay, je vais quand même vous poser une petite question comme avocat du diable. Est-ce que produire des boissons alcoolisées, est-ce que ça amène vraiment à un monde meilleur? On n'en est pas encore là, mais quand on regarde l'évolution de mœurs par rapport au secteur du tabac au cours de ces 50 dernières années, ça a quand même fort bousculé. Il y a d'autres secteurs qui pourraient suivre. Je ne le vous souhaite pas. Mais oui, comment est-ce que c'était un point dans la certification B Corp? Parce que peut-être que vous pouvez prendre l'occasion de parler un peu de vos points faibles. Oui. Bon, au niveau de l'alcool, qui n'est pas tout à fait la même chose que le tabac, parce que j'étais un fumeur invétéré avant, j'ai arrêté de fumer il y a 15 ans. Le tabac, quand vous fumez une cigarette, c'est une cigarette de trop. Quand vous buvez un verre de bière, ce n'est pas grave, c'est rien. C'est même peut-être, enfin, il y a des gens, je vais pas commencer à faire la défense, mais il y a des gens qui disent boire un verre de vin ou un verre de bière par jour, c'est plutôt bon pour la santé plutôt que mauvais. Bon. Après, en boire 10, c'est évidemment pas bon pour la santé, c'est évident. Manger 10 Quick ou 10 McDonald's par jour, c'est non plus pas très bon pour la santé. Ou manger des sucreries toute la journée, c'est aussi mauvais pour la santé. Donc, tout est une question aussi d'équilibre. Néanmoins, dans l'analyse B Corp, on a eu effectivement 2 points négatifs qui nous ont coûté des points. Et si vous allez voir notre score sur le site B Corp, il y a 2 articles qui sont en bas de notre certification qui sont la production d'alcool, effectivement. Donc B Corp considère ça comme étant un point négatif et j'admets, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Et le deuxième, c'est que nous sommes des énormes consommateurs d'eau par rapport aux produits vendus. Donc, on consomme un peu plus de 7 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Et c'est un de nos objectifs B Corp pour la certification dans 3 ans, c'est de descendre en dessous de entre 5 et 6, qui serait plutôt un modèle dans le métier qu'aujourd'hui on est un petit peu à la traîne. Et donc ça, ce sont des points qui nous ont pénalisés. Ça, c'était la différence entre les 115 et les 80 qui était le résultat final. Non. La différence entre les 115 et les 80, c'est un tas de points qui étaient plutôt des intentions de ma part, mais que je n'ai pas pu prouver, en fait. Mais qui sont à l'ordre du jour pour la prochaine certification. Mais j'étais pas suffisamment
C'est la différence entre, si je pouvais dire, entre l'esprit latin et l'esprit anglo-saxon. Moi, je suis un peu latin, et donc parfois je prends mes rêves pour des réalités. Et puis quand on me dit, mais prouve-le, j'ai un peu de mal, quoi. Parce que je dis, oui, c'est vrai, on n'est quand même pas très loin. J'aimerais bien qu'on y arrive, mais on n'est pas encore très loin. Et donc, principalement, la différence entre les 115 et les 80 vient de là. Donc, on a encore plein de boulot, quoi. Ouais. Mais vous avez déjà essayé de remédier à l'hyperconsommation d'eau, hein? Vous avez déjà mené une réflexion Plus et que ça, aussi donc pour on a. le rejet de l'eau usée. Ouais, donc, on a aujourd'hui mis un système de suivi que nous n'avions pas. Donc, tous les gros points de consommation d'eau, qui sont le lavage des bouteilles, le brassage, le nettoyage des équipements, ont chacun des compteurs séparés qui sont relevés toutes les semaines. Donc aujourd'hui, on a des statistiques extrêmement précises de notre consommation d'eau par type de process qu'on fait. Et on est, pour le moment, en appel d'offres pour mettre une station de nettoyage automatique de tous les équipements de la brasserie qui permettront de consommer que ce qui est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, c'est fait manuellement par mes collaborateurs et donc, une fois qu'on ouvre la vanne, parfois on oublie de la fermer ou on se dit, bah, je reviens dans 5 minutes alors que 3 minutes auraient été suffisantes. Mais avec les débits qui sortent de ces trucs, voilà. Donc, on a un programme de réel de diminution Oui. de consommation d'eau. Il y a un participant qui demande quelles sont les idées réalistes pour réduire la consommation d'eau. Vous le voyez comment, quel pourcentage, l'évolution? Je pense que chez nous, principalement, c'est une gestion automatisée des nettoyages des équipements. Ouais. Ok, et peut-être avec un peu de recul maintenant, hein, vous venez d'obtenir le certificat en février. Comment est-ce que vous jugez l'impact de tout ce projet pour la brasserie? Et comment est-ce que vous voyez le futur? Quelle est votre ambition? Alors, l'impact, il est. Je ne m'y attendais pas, mais ma présence auprès de vous en est la preuve aujourd'hui. C'est que ça intéresse pas mal de monde de savoir que des petites PME comme nous, de 8 personnes plus moins, on est capable de se faire certifier d'une grosse certification américaine qui a du sens. Donc, j'ai beaucoup d'appels, de demandes, de témoignages, d'explications, comment on fait, blablabla, enfin bon, de confrères d'abord, donc d'autres brasseurs qui trouvent ça génial et qui demandent comment on a fait. Guberna qui, ben voilà, qui m'a appelé en disant, tiens, ben, c'est un sujet qui nous intéresse, est-ce que vous voulez bien témoigner? Merci Catherine. Idem à l'Union Wallonne des entreprises, idem au SPF, idem. Je dois refaire pour je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, donc, l'idée modèle est dire, ben, on essaie d'entraîner d'autres entreprises à aller dans ces directions-là. Parce qu'il faut savoir quand même aussi, c'est qu'il y a, il y a pas mal de gens qui ont des actions qui vont dans ce sens-là et qui se disent, oh, B Corp, c'est trop compliqué pour nous. Et donc, je peux les convaincre du contraire et dire, tiens, mais tout ce que vous faites, en fait, ça va exactement dans cette bonne direction-là. Et donc, ce n'est pas irréaliste d'essayer de vous faire certifier non plus. Donc, l'exemple est chouette. Et alors, auprès de nos clients directs, donc nous, on vend à des distributeurs qui vendent à des magasins ou qui vendent dans l'horeca. Nos distributeurs bio, par exemple, eux connaissent B Corp et donc ça, comme vous disiez tout à l'heure, ça met un peu la cerise sur le gâteau Bruno en disant, bon, ben, cette brasserie, elle tient la route, quoi. Elle a une philosophie, elle a une mission, elle a une vision, elle a des valeurs et ils l'ont prouvé. Donc, ça donne une espèce de confiance chez certains de nos clients. Le problème, c'est que Est-ce que... Oui, allez-y. le client final, donc monsieur tout le monde qui aime bien boire un verre de bière, en général,
il ne connaît pas Bicorp aujourd'hui, mais j'espère que ça va changer. Est-ce que la certification aussi a un impact sur votre stratégie? Non, puisqu'elle est, elle est la concrétisation de notre stratégie, en fait. Ouais. Elle a aussi ou l'a renforcé ce que vous étiez déjà en train de faire, de le rendre plus concret. Ça nous convainc qu'on est dans la bonne direction et ça va continuer à nous pousser à améliorer dans cette direction-là. Mmh, mmh. Et quel a été l'impact? Vous m'en avez parlé un peu. J'ai trouvé ça très joli et très chouette. L'impact sur le personnel, qu'il était oui. plus grand que vous ne l'aviez pensé. Oui, d'abord, j'avais fait venir une coach Bicorp pour venir expliquer au personnel ce que c'était avant que je ne les implique dans le boulot à faire pour la certification. Et j'ai été très étonné de la motivation de l'équipe à travailler sur le sujet. Ça sort un peu du train-train habituel de faire des cartons, mettre des casiers sur la ligne, remplir des bouteilles, etc., etc. Donc, ça a été très chouette parce qu'il y a vraiment eu une implication de tout le monde dans le processus. Mais alors, quand on l'a obtenu, alors là, ça c'est V comme victoire, quoi. Tout le monde a trouvé ça incroyable. Mais c'est sûr que se dire qu'on a une toute petite brasserie au milieu de milliers d'autres, de milliers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la brasserie, elle fait un boom incroyable et qu'il y a des brasseries qui se créent tous les jours. Et se dire qu'on est la seule brasserie certifiée Bicorp en Europe, ça donne quand même pas mal de fierté, probablement même plus à eux qu'à moi. Parce que moi, j'ai travaillé, que c'est un peu mes convictions, quoi. Et alors, juste pour la petite histoire, c'était assez marrant parce que on a tous des vêtements qui sont avec le logo de la brasserie et chacun a son nom sur le cœur. Et le gars qui est responsable de ça, il devait passer commande pour les nouvelles tenues le jour où on a été certifié. Il a téléphoné à son fournisseur en disant « il faut tout changer, il faut mettre un logo Bicorp sur les manches ». Donc maintenant, ils sont tous Bicorp, quoi. Donc c'est génial. Super. Est-ce qu'ils ont défini pour toi quel score ils veulent avoir la prochaine fois dans 3 ans? Non. Est-ce que, pas encore. Est-ce que vous vous êtes mis un objectif? Non, mais je n'ai pas été assez vicieux pour leur demander ça parce que... la seule chose, c'est que tout le monde est assez convaincu qu'on doit être meilleur la prochaine fois. Et puis après, on s'en fout. Ouais. Oui, j'ai vraiment bien aimé lorsque tu me racontais que des membres de ton personnel te rappelaient ben, est-ce que cette action, est-ce qu'on va faire ceci, est-ce que c'est bien Bicorp? Oui, qui te tape sur les doigts si tu oserais faire quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit Bicorp. Oui, et donc maintenant, il y a plein d'initiatives du style, toutes les papiers pour les photocopieuses ont tous été changés avec du papier recyclé. Moi, j'ai rien demandé, quoi. Ils ont fait ça. Monsieur Demise, c'est Bicorp, quoi. Voilà. Et donc ça entraîne un espèce de mouvement de la part de tout le monde. On ne peut pas rêver mieux, quoi. C'est vraiment super sympa. C'est la culture. La culture est imprégnée Bicorp. Voilà. Ouais. Mmh. Merci. Peut-être quand même par curiosité aussi, on avance doucement vers la fin, mais vous avez fait un beau trajet, hein, ce fut intensif, le projet Bicorp, mais il y avait aussi quelque chose comme le Covid. Oui. Comment est-ce que ça a impacté votre entreprise, vos beaux projets, vos rêves, et comment avez-vous fait preuve de résilience? Alors, au niveau économique, c'est assez simple. On a perdu à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Non, on a perdu 40% de notre production. On a perdu environ 25% de notre chiffre d'affaires, ce qui veut dire que les parties de l'économie qui se sont arrêtées sont celles où on gagnait le moins d'argent et où on avait le moins de chiffre d'affaires. Donc, on vendait moins bien, en fait. Et on est parvenu à rester à l'équilibre pour deux raisons. C'est le chômage Covid. Donc, en fait, pendant presque un an et 3 mois,
on a travaillé à peu près avec un tiers du personnel et je leur ai laissé la liberté d'organiser les équipes eux-mêmes en fonction des commandes et des productions à faire. Ça veut dire qu'au lieu d'être 8, en général, on était à 3 à la brasserie plus moi. Et que c'est eux qui ont, sachant que quand ils sont en chômage Covid, ils gagnent que 70% de ce qu'ils gagnent quand ils sont dans les bâtiments de l'entreprise. Et donc, ils ont réussi à faire un roulement où il n'y a jamais eu une plainte de l'un ou de l'autre en disant « Ouais, moi, je viens moins souvent, donc je gagne moins. » Enfin bon, donc tout ça s'est passé et je ne suis absolument pas intervenu. Donc, c'est eux qui ont géré le roulement du personnel pendant plus d'un an. Le premier confinement a été super intéressant parce qu'on a énormément réfléchi sur les causes et les conséquences d'une crise comme celle-là, en disant, bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est le Covid, donc c'est un virus de santé. Comment est-ce qu'on va régler d'abord notre problème? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Donc, on a mis en place tout un réseau sur WhatsApp et trucs en disant, voilà, on était ensemble virtuellement. Et donc, ça a énormément renforcé l'esprit d'équipe et la cohésion des équipes. C'est fantastique, quoi. Et puis, à la fin du premier confinement, on a fait un gros travail de réflexion et toutes les idées. Comment est-ce qu'on aurait pu encore mieux réagir à la crise? Et puis, comment est-ce qu'on va faire la prochaine? Parce que le prochain, ce ne sera pas un virus de santé, mais ce sera probablement un virus informatique mondial. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en face de ça, quoi? Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir d'autres idées de... En fait, il y a un rapport de l'ONU de 2012 via mon groupement de chefs d'entreprise qu'on a réussi à ressortir, où tout ça a été écrit, en fait. Et que le premier risque qui a été écrit en 2012 dans ce truc de l'ONU, c'était le virus de santé. Le deuxième, c'est le virus informatique. Le troisième, c'est les restrictions d'eau dans le monde. Et donc, ça nous a permis de se dire, voilà, le premier, on l'a eu. Maintenant, on sait comment plus ou moins réagir et rester résilient. Le deuxième, ça va être un virus, imaginons que ce soit un virus informatique. Mais en fait, comme on a pris l'habitude de virer tous les papiers, c'est peut-être pas complètement intelligent. Et donc, on a remis en place une structure de backup qui ne sont plus que dans pas seulement dans le cloud, quoi. Parce que si le cloud explose demain, ben, la moitié des boîtes sont en faillite, quoi. Il n'y a plus personne qui a plus de data quelque part. Donc, on a fait une espèce de rétropédalage au niveau de l'organisation informatique. Et l'eau, on venait de déposer un permis unique pour un agrandissement de la brasserie. On avait un gros investissement qui était prévu avec un nouveau captage d'eau. Et donc, au lieu de descendre à 30 mètres, on est descendu à 70 mètres. Ça a coûté 3 fois le prix. Mais dans la nappe phréatique, on est sûr que pendant 20 ans, on aura de l'eau. Donc, cette crise a permis de se projeter en avant pour être plus résilient s'il nous arrive une deuxième catastrophe comme ça sur la tête. Maintenant, le deuxième confinement, bon, ça, c'était trop long et bon, ça, on en a plus souffert psychologiquement et commercialement que le premier qui était... c'est sûr que d'avoir le monde qui s'arrête comme ça, ça permet de réfléchir, ça permet de se poser un certain nombre de questions. Que le deuxième, on avait compris. Voilà, on a compris, ça a été un peu compliqué. Oui, je pense que vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette expérience. Oui, je suis sûr, je suis sûr. Ouais. Voilà, j'ai une belle question pour finir qui vient de Thomas Ballard, qui dit bah, « C'est une belle histoire jusqu'à maintenant, mais quels seront les challenges principaux ?» Quels seront les challenges principaux ? Pour l'avenir ? Oui.
Ça, c'est une question à cinq francs. Moi, je n'ai jamais été un fan des plans à 5 ans. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Bon, c'est aussi une chance que j'ai en étant patron de ma boîte et propriétaire de ma boîte. Donc, j'essaye d'évacuer les problèmes un par un et je suis de nature très, très curieuse et le fait d'être très curieux donne, je pense, donne l'intuition. Je regarde dans notre métier, la concurrence devient de plus en plus dure et donc je cherche de plus en plus des moyens, comme on dit en marketing, de rester dans l'océan bleu plutôt que d'aller dans l'océan rouge. Où la seule manière de se battre, c'est le prix, parce qu'on est toujours perdant à cette guerre-là. Et donc, j'ai beaucoup de réflexions sur la consistance de notre métier. Peut-être que dire, on n'est pas brasseur, mais on est des spécialistes de la fermentation, et on peut peut-être faire fermenter d'autres choses, faire du kombucha, ou faire des trucs avec toute l'expérience et les connaissances qu'on a. De penser latéralement plutôt que droit devant et de se tuer sur le marché. Mais ça a toujours été un peu mon guide, mon fil d'Ariane pendant toute ma carrière professionnelle qui a été très diversifiée. J'ai pas fait que de la bière pendant ma carrière. J'étais patron d'une boîte de 250 personnes pendant un moment de ma vie. Et voilà. Donc, je peux difficilement répondre mathématiquement à cette question, si ce n'est se faire bercer par son intuition et regarder comment le monde tourne et puis saisir des opportunités. Voilà, Thomas, j'espère que ta question a été répondue. Sinon, viens nous joindre dans le breakout room tout à l'heure. On pourra creuser encore mille et une autres choses. Tiens à vous remercier déjà, Marc-Antoine, pour votre disponibilité, pour votre authenticité, pour votre inspiration. J'espère que de tout cœur, vous arriverez à battre Patagonia, hein, qui avec ses 151 points est le leader pour le moment. Et j'espère aussi de tout cœur que ce témoignage a inspiré et encouragera beaucoup de nos membres gouvernants à entamer cette réflexion. Nous, en tout cas, on va le faire pour nous-mêmes aussi. Un tout grand merci déjà. Je vous invite maintenant au breakout room. Pardon? Je voudrais juste dire, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole devant votre audience et que s'il y a des questions, je suis joignable sur LinkedIn et voilà, donc vous pouvez me joindre par là si vous avez d'autres questions à me poser. Merci, merci, génial. Voilà, donc avant d'aller dans le breakout room, je vous remercie, vous, chers participants fidèles, d'avoir suivi un ou plusieurs de nos Home of Governance Talks. Je vous annonce déjà que l'automne, nous serons de retour avec une série d'experience sessions avec nos propres administrateurs gubernats qui témoigneront un an et demi après leur expérience avec le début du COVID, qui partageront avec nous leurs expériences. Cette série débutera à la mi-octobre. Et à partir de janvier, on recontinuera avec les Home of Governance Talks réguliers. Je vous remercie tous et toutes et j'espère quand même en revoir quelques-uns de vous maintenant dans le breakout room.